J'accueille, puisque j'ai dit tout à l'heure dans le teaser, dans les ce qui précédait l'émission, qu'on allait fêter les Rennes, parce qu'on est quand même avec un magnifique parterre de Rennes. Oui, ben oui, de Rennes, parce qu'on a fêté les rois hein, depuis ce week-end. Et surtout, ça me fait marrer Fred Cassel. Frédéric Cassel, mesdames et messieurs. Frédéric Cassel, c'est THE pâtissier de Fontainebleau. C'est également THE President of the Relais Dessert International. Hein, c'est exact. Quand même. Hein, voilà. c'est les 100 meilleurs pâtissiers du monde, quand même. Comment hein? Les 100 meilleurs pâtissiers du monde. Voilà. Alors ça calme ça, ça hein calme, hein. Ah, vous faites-moi les marioles. On est super content de l'avoir. Hein. Quand on voit ce qui nous attend après, on est absolument ravis. Quand tu vois comment le gars touille la farine. Voilà. Vous avez déjà travaillé comme ça dans une cuisine ouverte à moins 10? Non, là il fait très froid. Alors je vous dis pas. Faire du feuilletage quand il fait très froid comme ça avec des petits morceaux de beurre, c'est assez costaud. Parce qu'il faut malaxer le beurre en fait. Voilà, il faut malaxer le beurre, il faut qu'il soit à température. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une galette aujourd'hui. On m'a dit qu'il fallait la faire à la main, sans kitchenette, sans rien du tout, sans batteur. Donc c'est pour montrer. Voilà, donc on va faire à la main. Mais ça, comme mais ça, c'est vrai ça que le feuilletage. Non, mais c'est vrai qu'une bonne galette, en fait, vient du feuilletage. Alors vient des matières premières. Est-ce que ce que tu es en train de faire là, c'est ce qu'on appelle une détrempe? Voilà, tout à fait. Alors explique ce que c'est. Alors la détrempe, c'est la farine. Donc on prend une farine de gruau assez forte en gluten, justement pour que ça développe. D'accord. Ensuite, on met du beurre. Qu'est-ce que c'est gruau par rapport à blé? Ça veut dire qu'il y a toute l'enveloppe du. Il y a toute l'enveloppe, voilà, c'est ça. Du grain de blé, voilà. Hein, c'est ça. Et dedans, on va rajouter donc le sel et juste du beurre pour avoir une partie un petit peu de beurre dans cette détrempe. Alors la détrempe, c'est donc la pâte avant d'y incorporer tout le beurre du feuilletage. Voilà, hein. Tout à fait. Au fond, on démarre comme une pâte simple, une pâte à pain qui n'aurait pas de levure. Voilà, exactement. Okay. Voilà. Finalement, c'est la partie la plus compliquée, non? Alors, la plus compliquée, ce n'est pas la détrempe, ça va être le beurrage. Ah. Donc le beurrage, on va incorporer dans cette détrempe. En fait, cette détrempe va faire 1,5 kg fini. Et dans cette détrempe, on va incorporer la moitié en beurre. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous vous rendez. Ah oui, hein? C'est vous avez vu? Pour se remettre des agapes. Mais il fait tellement froid que du beurre, ça fait du bien. En fait, il faut que ça réchauffe là. On a besoin de ça. Hein. Et dans une galette, ce qui est bon, eh ben, c'est les ingrédients. Hein. On a tous les mêmes ingrédients. Donc là, ce qu'on prend, on prend un beurre échiré, on prend une farine de la Beauce, on prend le sel, du sel de Guérande, et là, on fait une belle détrempe. Voilà. On va laisser travailler Fred. Je peux vous dire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à la température qu'il fait, c'est comme si on travaillait dans une chambre froide. Hein, c'est-à-dire... Non, parce qu'on dit toujours... Vous direz un congélateur ou pas? Il n'y a pas besoin, mon Frédéric. Non, il faut vous dire que le feuilletage, généralement, et la pâte, le travail de la pâte en pâtisserie, ça doit toujours repasser au réfrigérateur avant de l'étaler, avant de la tourer, comme on va faire tout à l'heure. Là, il n'y a pas besoin. Là, il n'y a pas besoin. C'est pas sorti du congélo. Là. Non, c'est d'arriver juste même à faire, comme il le disait, à incorporer le beurre dans la pâte. Ça va être tout un challenge. Mais comme c'est un des meilleurs pâtissiers du monde, il va y arriver. Hein, Fred? Hein, tu te rassures, moi, tu vas y arriver. Ah, mais oui, on va y arriver, c'est pas le problème. Voilà, le message est dit. Enfin, moi, ça m'amuserait de faire ça en famille. Attendez, il y a quelqu'un qui fait du beurre. Je crois qu'il y a un dingue qui est en train de taper sur une motte de beurre. Il est fâché. Sur une mode de beurre, je ramollis mon beurre pour le moment. Ouais. T'es dur avec le beurre doux, toi. Je suis dur. Alors, oui, parce qu'il faudrait qu'il soit normalement à température de la pièce. Oui, normalement, il faut être à température de la pièce, à température de la pâte surtout. Voilà. Là, je suis sûr qu'elle est à la pâte. Elle est à moins 3, ouais. Là. Une sorte d'homogénéité entre la pâte et le beurre. Voilà, tout à fait. Oui, mais on dit tout le temps en pâtisserie qu'on travaille sur des marbres froids. Oui. Donc, c'est bien pour refroidir le beurre. Refroidir, c'est-à-dire que quand on va étaler la pâte, il faut que le beurre soit aussi à température. Donc, c'est vrai que le marbre froid nous aide. C'est un métier. Mais là, c'est bien, il fait froid, donc c'est bien. Toi, tu serais du genre à faire ta pâte et le beurre sont à la même température. C'est surtout que tu les mets au défi avec un beurre congelé. Comment il non, il n'est pas congelé, hein, s'il quasiment. Vous plaît. Non, dis donc. Vous avez vu le bout de corps, vous faites. Nathalie, il est donc pas là, congelé. Vous voyez ma détrempe, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé en quatre. Oui. Tout à l'heure, et je l'ai laissé reposer pendant une heure. D'accord. Donc, l'important dans le feuilletage, c'est vraiment le repos entre chaque tour que l'on va donner. Pourquoi? Parce que ça travaille. Parce que ça travaille. Ça. Donc là, on va étaler notre pâte. D'accord. On va l'étaler au rouleau. Le repos, c'est-à-dire combien de temps? Il faut laisser reposer. Alors, le repos, moi, je laisse toujours à peu près. Excusez-moi. Pour le. Non, mais Nathalie, c'est parce que... Mes synapses sont congelées. Voilà, c'est le froid. Ça ne monte pas jusqu'au cerveau, je suis désolée. Il n'y a plus de connexion, ça met du là. Temps à arriver. Elle est bête. Non, regardez. Donc, on étale notre pâton. Non, mais je peux vous dire que c'est assez exceptionnel ce qui est en train de se faire, parce que généralement, ils ont des grands laminoirs, les pâtissiers, hein, des sortes de laminoirs à rouleaux. C'est devenu assez rare de faire ces galettes à la main, hein, au rouleau à pâtisserie. Alors, quand on, même. On fait encore les galettes à la main pour les galettes sèches, c'est-à-dire que les galettes qui ne sont pas garnies. Parce qu'on veut vraiment avoir un bon feuilleté à l'intérieur. Ah voilà. Bon, parce que le laminoir, ça fait pas un bon le laminoir, feuilleté. Ça écrase un petit peu les tours, ça va très vite. Alors que la galette sèche, ça monte plus, du coup.
sèche, c'est comme il n'y a rien à l'intérieur, c'est comme, comme une bouche à la reine. Tu veux dire que dans des grandes pâtisseries comme la tienne, on fait encore des galettes à la main, le feuilletage à la main. Là, je suis sidéré. Mais c'est vrai que chez ton collègue Richard Sève, à Lyon, il m'a dit, oui, nous, on fait nos galettes à la main. C'est-à-dire que des milliers de galettes, parce qu'un grand pâtissier en période des rois, c'est des milliers de galettes qui on sortent. On fait à peu près 2-3 000 galettes sur un mois. D'accord, ça calme tout de suite, hein, t'imagines les conditions. Donc, vous voyez, en fait, on a fait un petit peu en croix comme ça pour mettre à l'intérieur notre beurre. Ah, un petit portefeuille. Un petit portefeuille, voilà. Et il recommence à taper sur ce beurre qui ne lui a rien fait, mesdames et messieurs. Je vais pas taper trop fort. Et après, donc, on va recouvrir. D'accord. Comme une enveloppe. Voilà. Bravo. Non, mais on l'a dit en même temps, c'est dingue. Tu connais un peu la pâtisserie, toi, non? Une communauté d'esprit. Non, mais je découvre, je trouve ça passionnant. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de beurre. Donc on va enrober. Il y a vraiment beaucoup de beurre. Il y a beaucoup de beurre. La moitié. Moitié. Mais écoute, c'est ça qui est bon dans une galette. Ça, c'est fantastique, tu vois. Ça dépend de quoi on parle. C'est parce que tu veux pas voir les choses. Mais la vérité, quand tu manges du feuilletage, tu penses pas. C'est pas vrai. Non, il y a moitié de beurre. Et puis ça, le beurre, c'est que dans le feuilletage. Après, il y a la crème d'amande. Ah, et vous savez parler aux femmes. Enfin, quand il fait froid comme ça, il faut ça. Donc, on va enrober. Voilà. Et puis, on va faire le tourage, c'est-à-dire qu'on va faire des tours, on va plier cette... C'est-à-dire qu'on va faire 6 fois un pliage. On donne 6 tours à notre feuilletage. D'accord. Donc on va l'étaler à chaque fois et on va le replier à chaque fois. C'est ça le feuilletage, mesdames et messieurs. En fait, des couches de pâte qui sont entrecoupées de couches de gras. Voilà. Et donc, ça veut dire que... De gras et d'eau. Hein, c'est de gras et d'eau. Julie, qu'est-ce qui se passe? On vient de perdre Julie. Julie Pietri, je me dis, il y a du beurre. Non, mais quand je dis. C'est vraiment. Quand je dis du gras, c'est le beurre. Hein. Comme attendez, on n'a pas du gras en plus du beurre. Si tu veux prendre 5 kilos et remonter sur scène, ça va pas être possible. Oui, ça, tu fais pas rêver là. En même temps, tout le monde veut de la galette. Mais c'est mais comme quoi, il y a des pâtisseries, il vaut mieux qu'on sache pas comment c'est fait. Comme ça, on continue pas, à les manger. Ça, c'est merveilleux ça. Ah, j'adore ce truc là. Non, nous dites pas comment c'est fait, on peut pas savoir, c'est très bon, c'est comme ça. Non, mais on le sait. Mais je donnerai pas la recette, hein, je vous fais voir. On sait que dans une galette, t'as au moins moitié de beurre. Je savais pas. Au moins, enfin oui. Non, mais dans les bonnes pâtisseries. Notre galette qui est en train de se faire ici avec Frédéric Cassel sous la caméra extrêmement précise de France et son bonnet magique. France, est-ce que tout se passe bien? Oui, tout se passe très très bien. Oui, allez. Je suis impressionnée de voir ça. Regarde comment il est en train de chiqueter. Chiqueter, ça veut dire quoi, Fred? Ça veut dire qu'on. C'est-à-dire qu'on va sceller les deux parties en fait ensemble en incorporant les deux pâtes ensemble. Et puis on dort à l'œuf. Voilà. Voilà, regardez, hein, la galette, elle se fait devant vous, la avec recette, la crème. La recette, vous l'aurez vous verrez dans le clip tout à l'heure, hein, on a mis la crème d'amande. Julie Pietri qui s'est approchée de moi parce qu'elle aime la galette. J'adore les galettes des rois. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite chef. Par Frédéric Cassel. Voilà, alors, bon, moi c'est... Il est déchaîné, ce garçon. Regardez, on avance. Regardez, ce sont... Bah, c'est nous. C'est les personnes. Bah, enfin. C'est les rois mages. Bah oui. Non, c'est bah si, il y a moi au milieu, il y a Guillaume Crouzet, il y a Jean-Sébastien Petit de Mange. Oh, on est bien au roi mage. Non, mais il manque les filles. Hein, mais oui, mais c'est les rois, les reines, elles sont en plateau. Où sont les reines? Elles sont inimitables, elles sont là. Alors, puisqu'on va fêter les rois et les reines plutôt aujourd'hui avec Frédéric Cassel, notre pâtissier de Fontainebleau, j'ai envie qu'on écoute une musique clairement évangélique, hein, j'ai envie de dire, hein, puisque c'est un hymne à une des reines de l'évangile qui est Marie-Madeleine. Souviens-toi des côtés de Palma, le cœur à fleur de peau, tu te dis pourquoi pas, Magdalena. Ah, ça c'est la vieille version, c'est devenu une salsa aujourd'hui. Ah oui, ça s'est accéléré le tempo. Ah oui, j'ai reproduit mon disque de version salsa. Alors, Marie-Madeleine, la pécheresse non, sauvée. Non, c'est pas une pécheresse. D'abord, il paraît que c'était l'amante, la maîtresse de Jésus. Donc, alors, je m'excuse auprès du pape François. Hein, le pape François qui regarde l'émission, bien sûr, ceci n'était pas préparé, n'était pas voulu. Bien entendu. Moi, j'ai envie de parler. Ah, écoutez, laissez-moi. C'est ce que je pense. Mais laissez-moi parler. Mais Jésus, il ne faut pas non plus le prendre pour un bébé. C'était un homme. C'était un homme avant tout. Voilà. Frédéric, vous avez gagné la. Pendant que nos reines sont en train de goûter à la
Il a triché. C'est pas possible. J'en sais. T'es le seul garçon à goûter au milieu de toutes ces femmes et c'est toi qui te débrouilles pour avoir la fève. Non, vraiment, quelle galanterie, je te remercie. Du coup, on a l'air, je te jure, devant nos téléspectatrices. Ouais, ça, c'est honteux. Il s'est servi. Du coup, on vient de me dire dans l'oreille que c'est moi qui allais faire déguster, du coup. Bah voilà, vas-y. C'est ta chance, enfin, de te faire. C'est ta rédemption, Jean-Seb. Voleur de fèves. Regardons ensemble la recette avec Frédéric Cassel, la façon dont on a procédé pour faire une galette. Alors, cette détrempe qu'on fait à base de d'eau, de farine. De farine, de sel. De sel. Et de beurre. Et un petit peu de beurre quand même. Hein, voilà, alors que voilà. On l'étale, elle est bien froide, ça tombe bien. Une fois qu'on l'a coupée en quatre, on fait une sorte de portefeuille et on met le beurre dedans. À l'intérieur, tout à fait, pour incorporer la pâte et le beurre. Dans la distribution professionnelle, on achète le beurre déjà plat, comme cela, hein, pour pouvoir faciliter le travail. Ouais, on essaye d'avoir les pâtons qui correspondent au poids du beurre. Voilà. Et puis là, on fait notre crème d'amande. Voilà, tout à fait. Donc avec du beurre, de la poudre d'amande, du sucre glace, du rhum et des œufs. Donc voilà. C'est un temps pour temps presque. Et voilà. C'est avec ça qu'on va faire. On dit la fourrure ou le fourrage? Comment est-ce qu'on dit? Le fourrage, on appelle ça. Voilà. Le fourrage. Non, parce que j'ai entendu dire la fourrure parfois. Parce que le fourrage, il paraît que c'est pour les bêtes. C'est pour les régions. Voilà. Et là, à la poche à douille, à l'intérieur, la fève évidemment qu'on place dedans. Et puis deuxième disque de pâte. Voilà, le disque de pâte. Qui a été collé à l'eau. Hein, qui a été collé à l'eau, surtout à l'eau, parce que l'œuf en fait va empêcher de se développer. Donc on colle à l'eau. Après, on chiquette sur le côté. Pour sceller les deux parties. Et ensuite, on raille la galette pour lui donner un aspect assez sans trop joli. Appuyer pour pas sans passer trop dedans, pour pas déchirer le feuilletage. Et voilà, et on cuit combien de temps une galette comme celle-là? Il faut compter à peu près 45 minutes. À quelle température? À 180 degrés. Voilà, 45 minutes, 180 degrés, voilà le résultat. Regardez comme c'est beau! Bien entendu, chaque année, on rivalise, je dirais, de talent pour créer des fèves, pour créer des couronnes, pour avoir de nouveaux goûts. C'est quoi celle-ci, cette année? Alors, il y a la nouvelle galette de cette année. Voilà, c'est une galette millefeuille. Donc, la spécialité de la maison Cassel, en fait, c'est le millefeuille qui est réputé. Et donc, on a fait une galette caramélisée comme un feuilletage. Et à l'intérieur, on a mis une crème millefeuille avec des cubes de gelée de rhum. Donc il y a des petites variantes dans le fourrage. Il y a des petites variantes dans le fourrage. À la fois galette et baba au rhum. Voilà. C'est embêtant pour les gourmands. J'ai l'impression que Jean-Seb, il a jamais été autant aimé par le public. C'est ça. Le public mérite. Hein. Ça a du succès. Par exemple. Sais-tu comment s'appellent les gens qui collectionnent les fèves? Les fabos. Fabophiles, tout à fait, voilà. Ouais, oui. Alors merci à Frédéric Cassel, le pâtissier de Fontainebleau de Bénouvard. Merci surtout. Obélie Fontaine et Obélie Fontaine qui ont bravé le froid mais qui sont bien récompensés par la galette. Merci à Julie d'être venue chanter, entonner avec nous quelques notes. Et on se retrouve dès demain, les amis, bien entendu. Bah, Sophie Delmas, bien sûr, mais toi, ça y est, t'es dans l'équipe. Mais Frédéric Cassel, on dit ah bah oui, tout le monde. Et moi, merci, et bah merci à tous. Hein. Et on se retrouve demain. Allez, encore des galettes pour un petit moment. Bonne journée à tous, à demain.